Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 160 Blueprint. Halloween, c'est bientôt, c'est le 31 octobre. C'est dans une trentaine de jours. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit projet pour l'ami Tempête Digital. On va lui fabriquer un saut cleaver du jeu Bloodborne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des références de cette arme, qui est une espèce d'arme de barbare toute cradoc. Et on va essayer de faire un blueprint. Qu'est-ce que c'est un blueprint? C'est un plan. Et pour ça, on va utiliser Illustrator. Allez, c'est parti! La première étape, avant de s'attaquer à Illustrator, est bien sûr de tenter de trouver des images de référence de cette arme super barbare. On va donc dans Google Images et on tape saut cleaver. Et on essaye de trouver les images les plus grandes possibles et les plus propres possibles. On enregistre les images dans un répertoire spécial pour pouvoir les retrouver et pouvoir les mettre à contribution sous Illustrator. J'ai trois images plus ou moins correctes, pas super détaillées mais qui devraient être suffisantes pour notre travail. Il n'empêche, je vais continuer à creuser pour essayer d'en trouver des mieux, on ne sait jamais. Ce travail de recherche, même s'il est en vain, est important. Il vous permet de vous familiariser avec votre sujet et vous permettra peut-être de tomber sur l'image ou le site web qu'il vous faut. Vous pouvez aussi aller dans la recherche avancée de Google Images, qui vous permet de définir les mots-clés, mais aussi la taille de l'image, le format, la couleur, etc. Ici, pas vraiment de chance, les références de qualité sont peu nombreuses, donc on va s'en tenir aux images trouvées précédemment. Maintenant qu'on a nos images de référence, on va ouvrir Illustrator, ou un autre logiciel de conception vectorielle. Les libristes utiliseront Inkscape, mais je suis sûr qu'il en existe d'autres. J'insère mon image de référence dans un calque que je vais bloquer. Il sera en fond de mon calque, sur lequel je vais travailler. Maintenant, je vais choisir mon outil de tracé, et je vais tenter de suivre le plus fidèlement possible le tracé de l'arme sur mon image de référence. Dans un premier temps, je n'essaye pas d'être ultra fidèle, mais de faire un premier tracé, on aura le temps de le bidouiller plus tard. Un des intérêts du vectoriel est que vous tracez des courbes en utilisant les points de référence et des courbes de Bézier. Donc ce dessin pourra être modifié, mais surtout pourra être agrandi sans perte d'information. Ici, à chaque point que je place, j'utilise des courbes de Bézier pour tenter de coller à la forme le plus possible. Dans cet exemple, mon fichier n'ira pas dans une machine à commande numérique. C'est moi qui vais le découper à la main, donc je sais qu'il y aura une part de réinterprétation. Donc je ne mets pas autant d'efforts que s'il était destiné à une découpeuse laser ou à une fraiseuse numérique. L'arme est constituée en deux parties, la lame et le manche. Donc je fais mon dessin en deux parties. Après avoir fini la lame, je m'attaque au manche. Quand les deux formes principales ont été dessinées, je peux m'attaquer au détail. D'abord le mécanisme de rotation de l'arme, qui dans l'arme que je vais construire ne sera pas fonctionnel. Puis je vais raffiner les détails, en particulier sur les espèces de pics de scie sur un des côtés de l'arme, histoire d'être un peu moins pas précis. We'll be right back.
Après avoir fini ça, je rajoute le moyeu qui fera s'articuler les deux parties de cette arme de bois. Je peux maintenant masquer mon image de référence et ajouter différents détails. On n'oublie pas de sauvegarder son travail et on va pouvoir passer aux dernières étapes. J'essaie de trouver des références sur les runes qui sont censées être inscrites sur la lame, mais sans trop de succès. Tempête Digitale n'étant pas un gros monstre barbu comme moi, elle m'a demandé que l'arme pliée fasse environ 40 cm, soit la longueur d'un A3. Il ne reste plus qu'à exporter en PDF, et en d'autres formats, et à imprimer tout ça. Et voilà, maintenant on a un blueprint, on a un fichier digital vectoriel sous Illustrator, et on a des fichiers que je vais pouvoir imprimer. On va pouvoir passer aux parties suivantes. La partie suivante, ça va être la fabrication et la finition. Et je pense qu'il y aura au moins 2 épisodes. Je ne sais pas exactement comment je vais faire cette arme-là. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle se déplie, et qu'elle se plie. Et je pense que je vais faire le centre en bois. En tout cas, soit en contreplaqué, soit en MDF. Et le tour, par contre, je vais le faire en EVA Foam, en mousse EVA. Mais ça, c'est pour bientôt. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas. Vous connaissez la procédure. Les mails, Facebook, Twitter, Instagram, les commentaires. Et si c'est pas encore fait, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui, comme certains barbus, me filent un peu de pognon tous les mois pour que je puisse faire ces épisodes de la Grotte du Barbu, et en échange, ils ont quoi? Les épisodes, 4 jours avant tout le monde, le dimanche au lieu du jeudi. 4 jours. Et en plus, ils ont accès à Slack. Trop bien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Un espèce de prémisse avant des épisodes peut-être un peu plus intéressants, mais je pense que c'est quelque chose qui est important de montrer justement la conception. Et la conception d'une arme de GN ou d'une arme de cosplay, c'est d'abord un blueprint. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. D'ici là, inspirez-vous, faites des trucs, et que la barbitude soit avec vous.